Bonjour, je suis Taya Kronborg et je suis la Chief Business Officer chez Life. Ça veut dire que je m'occupe du développement commercial de Life partout dans le monde. Life est une société qui a été créée en 2017 par Mathieu Guéné. Cette société a été créée pour une raison bien spécifique, c'est qu'on a envie d'offrir un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, et donc il faut décarboner. Et pour ça, on produit de l'hydrogène vert et renouvelable. On a déjà une usine qui tourne, et cette usine, c'est une première, parce qu'elle est connectée directement à des énergies renouvelables, et c'est un premier en Europe et dans le monde. Cette usine livre aujourd'hui des clients divers, ça fait déjà 2 ans qu'elle existe. On livre Lidl avec des chariots élévateurs, on livre une station-service où il y a des bus et des véhicules qui viennent se charger avec cet hydrogène renouvelable. Pour Life, l'international est absolument clé. On ne travaille pas qu'en France, en fait, on est présente dans 10 pays différents et on a des projets dans 12 pays différents en Europe. Pour nous, le marché est significatif en Allemagne et dans les pays nordiques. En Allemagne, parce que l'État a déjà misé très très fortement là-dessus. Il y a énormément de clients industriels à décarboner et une volonté très fortement de décarboner la mobilité lourde. Et après, on a un focus particulier sur les pays nordiques où l'électricité est disponible, l'électricité renouvelable est disponible en grande quantité et à bas coût. Donc on développe des grands projets dans ces pays-là avec notre projet phare Green Scale pour lequel on a déjà gagné des subventions européennes ou notre projet Sudaram qui consiste à développer une grande production d'hydrogène connectée à un parc éolien offshore. J'aimerais bien mentionner aussi qu'on vient juste de prendre une prise de participation dans Flexent, un développeur de projet Power2X finlandais, pour pouvoir justement asseoir notre crédibilité dans ces pays et agrandir notre portefeuille de projets.